Cette capsule vous explique comment remplir une déclaration de fréquentation scolaire afin que votre enfant à charge demeure admissible à vos protections d'assurance collective. Rendez-vous au ssq.ca. Cliquez sur « Connexion » puis sur « Assurance collective » sous l'onglet « Assurer ». Puisque vous êtes un utilisateur existant, entrez votre code d'utilisateur et votre mot de passe dans la section « Utilisateur existant » à gauche de l'écran. Une fois dans la page d'accueil du site Accès, cliquez sur « Personnes à charge » sous l'onglet « Renseignements généraux ». Dans la section « Enfants » de la page, les personnes à charge pour lesquelles une déclaration de fréquentation scolaire doit être remplie sont identifiées par un chapeau de diplômé. Repérez cette icône dans la section à droite du tableau. Cliquez sur l'icône pour compléter la déclaration d'étudiant. Une fois dans l'écran, complétez votre déclaration d'étudiant, saisissez le nom de l'institution fréquentée et sélectionnez le statut d'étude qui décrit le mieux celui de votre enfant parmi les options présentées. À noter que si vous avez oublié de déclarer la fréquentation scolaire de votre enfant pour une session précédente, le système le détectera et vous permettra de choisir une autre option à cocher qui correspondra à cette situation. Une fois les informations saisies, indiquez si des prestations vous ont été refusées pour l'enfant à charge concerné en raison d'un statut d'étudiant non inscrit. Vous pourrez en profiter pour demander une révision de cette demande. Pour sauvegarder les nouvelles informations, cliquez sur « Enregistrer ». Et voilà, vos informations sont maintenant enregistrées dans le système.